Hey, salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode sur Far Cry Primal. Alors, je suis vraiment désolé de ce petit retard. Alors, j'ai eu un petit problème avec l'épisode 5, car YouTube a décidé tout simplement de m'interdire de la publier. Alors, je vous explique, hein, c'est pas YouTube directement, c'est des soucis de copyright. Je sais pas, ils croient qu'il y a une musique dans la vidéo, et donc ils ne C'est une musique qui en fait, je peux rien faire dessus. C'est-à-dire que j'ai ni le droit de la mettre dans la vidéo. Même en coupant le son, ils le veulent pas. En fait, j'ai dû supprimer la vidéo, reprendre le passage de la vidéo concernée et bah me démerder avec et essayer de balancer l'épisode 5. Donc l'épisode 5 sera publié en même temps que l'épisode 6. Et quand j'avais publié l'épisode 5, avant de partir en week-end, donc j'avais mis laisser upload, j'avais marqué que le prochain épisode serait lundi. Et ceci en arrivant lundi, c'est que. Voilà. Je me suis retrouvé avec ce petit message et j'avais pas publié l'épisode 6 alors que l'épisode 5 n'était même pas encore publié. Oula. Oula là 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 là, ça commence. Ok, ah, il lui a fait peur. Bon, comme convenu dans l'épisode 5, on va aller capturer l'avant-poste. On va un petit peu faire un peu d'avant-poste dans cet épisode-là. Et donc voilà, à partir de ce retard, je vais hésiter de. Je vais publier un peu plus d'épisodes. Le tout toujours en 1080p 30 FPS. Et voilà. Avec le temps, je vais essayer de vous proposer d'aller vers les derniers épisodes. Enfin, essayer. C'est un grand mot. Je vais tenter de faire quelques épisodes en 1080 60 FPS pour tester un peu la chose, mais mon PC est actuellement un petit peu, on va dire surchargé déjà quand j'enregistre en 30 FPS. Donc faut vraiment que je trouve une technique pour bien enregistrer tout le tout et vous faire profiter d'une expérience haute en couleur et haute en qualité. Ok, donc là, c'est un putain le massacre qu'ils ont fait ici. Ok. Donc là, on n'est pas que dans la merde, mais normalement je peux pas descendre par là. Ok. Il y a de l'ardoise, on va récupérer mon ardoise et on va redescendre en bas directement. Hop. Voilà. C'est parti. Alors, on va se faire. Je sais même plus c'est lesquels qui. Faudra que je regarde dans un guide sur internet lequel prévient qu'il y a un ennemi. Et lequel fait sonner l'alarme. Alors. Annuler la flèche. Non, bah non. Pof! Je vais avoir, je vais les avoir, je vais les avoir. Wow. Petit feu. Putain, j'ai mis le feu au village carrément. Ouf. Je suis un très bon viseur. Allez, derrière. Elle a décidé de fuir, d'accord. Je me disais, pourquoi ça... Ok, on a libéré l'avant-poste, c'est cool. Ok, on en a deux fait 2 sur 15. Et on va pas s'arrêter là, on va continuer. On va continuer. On récupère un peu nos flèches qu'on a dispersées dans tout le camp. Ah ouais, carrément à poil quoi. La nudité existe bel et bien sur ce Far Cry. Alors, hop, on récupère la viande. On récupère un peu tout. Lui aussi. Putain, c'est que. Ils ont pas lorgné sur le sang
et tous les trucs gore dans ce jeu, on va dire. Alors, après, un autre endroit où on pourrait libérer. Shop tribal, aider les Wanja. Tac tac tac, ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Difficile. Avant-poste de l'enceinte. D'accord, là on part dans un truc un peu plus difficile. Je me répète. Alors. Donc, le bûcher des chutes. On parle où de ce bûcher? Bah écoute, on va aller s'emparer de ce bûcher et on va aller se téléporter par là. Comme ça, on va y aller tranquillou. Non, vraiment, on va faire. On va vraiment libérer un maximum de choses. On va voir ce que nous a ramené. Bon, sac est plein dans tous les cas. On va passer par là-haut. Alors, confectionner, on va en confectionner. Des sagas aussi. Au niveau de la confection, il faudra encore cèdre du nord, un érable du sud, pierre du sud. Ouais, faut que j'améliore un peu tout ça, quoi. Des plumes. Ah, des plumes. Ça, c'est encore assez facile à avoir, ça. Donc, si je vois des oiseaux, les buter. Bon, j'allais le buter. Le pauvre, il se prend une flèche alors qu'il a rien demandé. Oh. Cet enculé, il a voulu me buter là. Putain de guépard. Allez, attends, attends, je vais la buter cette. Alors, tu fuis, connasse! Oh! J'ai touché. Touché, mais. J'ai pas réussi à sauver le sanglier. Pauvre sanglier. Donc, ok. On peut plus porter de peau de bête. Bon, nous, on va débloquer le bûcher qui est juste là-haut. On perd pas trop de temps. On monte là-haut. On débloque le bûcher. Allez, on se concentre sur un objectif. Moi, j'ai tendance à m'éparpiller en même temps quand tu vois un sanglier et un guépard ou un léopard ou un puma qui se battent. T'es toujours tenté à essayer de buter cette bête qui te rapporte de belles peaux, tu vois. Et là, on va avoir un bûcher. Donc là, je vais peut-être envoyer mon hibou. Pas dans la forêt quand même. Voilà. C'est bien, il scanne bien tout quoi, c'est. Ok. Hop. Oh là 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 là! Esquive, headshot! Il était bon en plus ce ralenti. Bon, il a rien à. C'est peut-être ma flèche à récupérer, non? Oh, ma flèche, voilà. Attends, je récupère quand même ma flèche. Mes flèches, tu veux dire? Écoute. Voilà, on va utiliser des petites flèches enflammées. Hop, nouveau bûcher, nouveau camp de base. Et on va pouvoir peut-être faire d'autres avant-postes ou quoi que. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, hop. Passer. Déjà, je peux avoir des compétences débloquables. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Votre position me permet de faire. Vous faites désormais apparaître les sacs de ressources. Ça me plaît pas. Ouais. Maintenant, je peux marquer les ennemis, d'accord. Ouais, déplacez-vous plus, vous accomplissez avec. Ouais, alors je sais pas lequel.
On va mettre celui-là. Ouais. On peut soigner. C'est mieux de pouvoir. C'est mieux de se pouvoir se soigner. C'est le plus important dans le jeu quand même. Et moi je dis. Tant dire qu'il a une casquette lui, tu vois. C'est un bandeau qu'il a sur les yeux. C'est un petit trompe-l'œil. Un petit trompe-l'œil. Alors. Ouais. Oh là là, je voulais faire un beau saut de l'ange, mais j'ai pas réussi. En tout cas, c'était quand même magnifique ce que j'ai fait. Enfin, magnifique. Ouf. Il y a du meurtre là. Laissez mes amis. Laissez mes amis. J'ai sauvé mes amis. Ils allaient tous se faire buter si j'étais pas arrivé. Ouais, c'est du rosso. Pas très important. On en a pas trop besoin pour l'instant. Qu'est-ce que tu me veux, toi? On va pas m'attaquer, toi. Oh putain. Le sanglier qui est. Qui aime pas qu'on le touche, tu vois. Tu le touches à peine, le truc, il... ça, il veut te buter. Faut vraiment que là on s'approche vraiment du camp de base. Ah, il y a un truc là. Comme tout à l'heure. Sous l'eau. Et c'est parti. Main d'Achia. Je sais pas encore à quoi ça sert. En tout cas, mon guépard est. Et c'est pour chasser par le. Par un vieux truc. Un doll. Ok, ici. On va utiliser notre petit hibou. Alors, mon cher hibou, que vois-tu? Ça qui est chiant avec les bouts, c'est qu'il va pas très vite. Le petit est beau, il voit tout. Tout, 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 tout. On va avancer tranquillement. On va les avoir. Ouais. Ouf, tire à la tête. Hop, cassé. Enflammer la flèche. On va flammer tout ça. Ouais, Gourdin! Ça fait longtemps que je me suis pas battu au Gourdin. Je lui ai brisé la nuque. Ah, pour l'instant, on a fait quand même 3 avant-postes depuis le 5ème épisode. Sans déclencher des alertes. Donc, ça, c'est cool déjà. Ok. Bon, on va les fouiller. Je pense qu'ils doivent avoir des petits trucs assez sympathiques sur eux. Lui, il s'est pris une belle flèche en pleine tête. Et donc la nuit commence à tomber. Donc franchement, je vais pas m'attarder ici. On va se reposer. On va dormir jusqu'à l'aube, tranquillement. Donc franchement, je sais pas ce que vous pensez de l'aventure Primal. Je trouve qu'au début, il y a... Ça part bien, et après on nous demande de faire... un peu de construction de base, de développement de notre base. Je trouve ça dommage parce que dans Far Cry 4, l'action était de là de A à Z, même si bon, il y a eu quand même un milieu un petit peu lent. Mais bon, il y avait quand même beaucoup d'action, alors que là je m'ennuie pas à chercher les différents membres pour me faire mon groupe, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma que The Division. Pour The Division est sorti, hein, donc je peux comparer un petit peu les deux. Et franchement, j'ai l'impression de devoir faire comme dans The Division. Dans The Division, on doit aussi avoir une base et on doit aller chercher les mecs pour construire la base. Et je trouve ça, en fait, c'est un peu la technique. En gros, les développeurs savent pas quoi mettre pendant cette période d'histoire. Du coup, on te met ça, on te fait passer la pilule. Enfin, je sais pas. Franchement, chez Ubisoft, on le fait souvent, ça. Ouais, qu'est-ce qui se passe?
Sakui? Il y a des Sakui là? Ah oui, il y en a des Sakui là. Non! Faut que j'aille le sauver. Saute, monte, 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 monte. Il est où? Oh les enculés. Ils ont tué nos poteaux. C'est dommage. Bon, on confectionne ça. On récupère un peu de bois. Ça sert toujours. Ah l'enculé, bat. Ah la salope. Ah j'aime pas du tout ces bêtes là. J'ai cru qu'il allait me pisser à la... Enfin, me chier à la gueule. Mais en fait non. Il y a plus de classe pour le samjoueur, ok. Ok. Bon là on a... On a Wooga le fabricant, on va aller débloquer Wooga le fabricant. Bon j'espère qu'il est pas aussi timbré que les autres. On en a assez des timbrés dans le village. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Attends, on a encore plein de gens à débloquer. Où est-ce qu'il s'est posé? Il a dû se poser dans une grotte. À abri des perdus. Oh putain! Ah j'ai failli me perdre. Mais là, me perdre définitivement. Putain, le trou, tu vois. Bon, là, ça fait pas très grand. Mais quand tu tombes de là-haut, tu dois avoir mal aux jambes. Hein. Ouais, on est tombé sur un fou, je confirme. Donc là, on est piégé, mais pas pour longtemps. On n'est pas piégé pour longtemps. Alors moi, ça, je te le dis direct. Mon petit ami. Hop! On récupère ce qu'on a récupéré. Et... Ok. Voilà. On brûle un peu tout. Et normalement, on va pouvoir passer. Hop. Allez, remonte. Ok. Donc là, chez vous de la grotte, bah ouais. Je me disais bien, il y a bien un connard. Ah. Tiens, je vais l'apprivoiser. Ça m'évitera de me combattre. Allez, hop. Ah, le petit jaguar est trop mignon. Mais en fait, c'est un enfant. Je n'ai même pas besoin de le buter, tu vois. Là, on va... Indisponible. Non, c'est pas ça. Maintenant, imprévisible en rose. Indisponible. Appeler cette bête ici. Indisponible. Ah, ok, on peut pas les appeler. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, on a récupéré un petit grappin. On l'a enfin récupéré ce fameux grappin. C'est cool. On pourra faire bien plus de choses. Ouais, je crois que ça doit être sa maman ou sa femme. Mais en tout cas, il s'est bien vengé, quoi, ce bâtard. En même temps, peut-être que sa maman, elle avait peut-être tort de nous attaquer, hein. Des fois, on est gentil, hein. Ouais, alors, on va monter comment? Ah, voilà, faut monter comme ça, d'accord. Comme un ascenseur. Enfin, plus comme une voiture. Ah ouais, sympa. Wow.
Wow, putain sa mère, vas-y. Ah, le grappin, il a l'air sympa quand même. Plus sympa que... Vas-y, comment on descend là? Ouais, ouais, il a pas l'air sympa, ils ont pas l'air sympa là. Au secours! Oh putain, là, je suis dans la merde! Ouais. Alors, moi, j'ai préparé un plan, tu vois. Mais, ouais, putain, là, ça me donne le tournis. Ça me donne le tournis. Allez, hop, on remonte là-haut. Et je vais sauter. Et je vais sauter. Et je vais sauter, putain. Je peux pas sauter, quoi. Ouais, bah je suis mort. Pff, ouais, bah voilà. Je me suis donné en pâture direct, quoi. Bon. Ah bah là, je vais plus safe. On récupère ce qu'on peut récupérer ici, ça peut être sympa. Hop! On va y aller. On va y aller en mode confectionner, confectionner, confectionner. Bah, vas-y, balance. Hein. Putain, faut que je réussisse ça. Faut que je réussisse ça. Détachez là. Hop. Cours, cours, cours. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils m'ont pas vu. Oh les enculés. Ok, donc la sortie n'est pas par là. D'accord, ah, on peut lancer les gourdins. D'accord, il y a une sortie là-bas. Bon, allez, on va pas rester ici avec les miaou. Putain, faut vraiment regarder bien partout, sinon on se retrouve dans la merde en fait. Oula, c'est plus Far Cry, c'est simulation, enfin... Escalador, escalador. Donc j'ai été piégé par cet enculé. Et bah t'inquiète pas que j'allais me venger. Hein. Hop, on va aller chercher ce vieillard là. On va lui apprendre qu'on n'est pas une merde. Qu'on n'est pas une vieille merde à qui on peut... Alors, Jaguar, on va prendre notre petite bête. Ah, pour l'instant, c'est le Jaguar noir, ma bête préférée là. Franchement, elle me plaît beaucoup. Bon, on a retrouvé, on va essayer de retrouver ce petit vieillard et on va lui apprendre c'est quoi un Wenja.
Amarwa? Palu Gwaifash, Namaita Diwai. Namaita. Winja Sakwin. Pashta. Kala. Saiwai Shashwai. Hasar Urusis. Balwinja, Tachis Ladai Su. Ma Hasar Urusis, Mibichauda. Shashwaidam, Una Tarai, Uwinja Gwaifa. Tudaf, my God. Sashwarzo Daishan, Hasar Urusis Sancha. Hai mi. Un peu bizarre le VR. Enfin, en tout cas, on se retrouve avec un autre fou dans la maison. Et là, j'ai quoi là? J'ai objectif en cours, chercher les pièces d'oros. Oh, bah, d'accord, on va directement chercher des pierres. Allez, c'est parti. Ouf! Oh, la pierre en pleine gueule! Ça a pas dû faire que du bien. Allez, c'est parti. Franchement, la vue, elle est magnifique. Franchement, ah, magnifique. Allez hop, on traverse. En essayant de pas se faire bouffer les fesses par ces conneries d'animaux. Un tigre blanc, vous vous rendez compte, on va peut-être avoir un tigre blanc. Wow. Ah non, c'est un lion des cavernes. Un lion des cavernes qui n'est pas donc rare. Il y a le jaguar noir. Ah voilà, on a le jaguar normal, le jaguar noir, le loper, le lion des cavernes et le lion noir. Nous on a un lion noir, d'accord. Ok, pas mal, pas mal. Don de sabre, ouais. Et donc on peut améliorer normalement nos compétences. Sont prévoisés tigre à dents de sabre. Ah bah voilà. Bah tiens, on demandait. Après les visages de prédateurs rusés. Ouais. Ok. Allez, c'est parti. On part chercher le sang d'Oros. Vas-y, à le bouffer. Vas-y. Eh, c'est fait bouffer déjà. Ouais, il est... Bon, ok. Ouais, il a nettoyé la zone pour nous. Ah ouais, il lui a arraché la tête et tout. Oh, c'est gore. Ah, c'est... Ils font pas le travail à moitié ici, putain. Ouais, alors je cherche un peu ce qu'il y a autour. Donc, les vieilles pierres debout, Wenja. Qu'est-ce que je fais à ton avis? Trop de plantes, exact. Voilà, un petit coup de... Un petit coup de... De flamme et c'est parti. Enquêtez. Ah. D'accord, c'était juste pour avoir un point de vue. D'accord. Alors lui. Alors nous, nous sommes forts. Hein. Oh, je suis avec des chèvres. Bon, les gars, ça vous dit une petite vidéo sur God Simulator? Avec les chèvres là, on peut se faire plaisir. T'as le truc est bien brillant. Bien au fond pour vous dire, c'est ici les gars, vous pouvez pas vous tromper. Franchement, on n'est pas aveugle. Hein. Allez, je sens quand même qu'il va y avoir des ennemis. J'en suis sûr quoi. Avec la petite musique bien stressante dans les oreilles.
Ça met vraiment dans l'ambiance. Allez hop, monte, il y a un truc là. Ouais, j'en suis sûr, il y a une bête. Qu'est-ce que fout les Zoros ici, quoi? Oh, putain, je vais la voir. Raté. Où ils sont? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont là? Oh non! Non, non, ils ont appelé les ennemis. Des alliés, pardon. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pof! Y a pas mieux que moi en Archim. Putain, j'ai cru qu'il était juste à côté de moi. Bon, on va jouer au Sagaï. Hop là! Au Sagaï, je sais même pas comment on dit cette merde. Salut l'ami! Coucou! Oula! Hola! Le mec il les empale, tu sais, tranquille. Au prochain! Allez hop! Putain, c'est. Cette arme elle est abusée! Cette arme elle est franchement abusée. Salut à toi! Au revoir! Merci, merci de nous avoir follow. Merci pour le sub. Mais on va quand même reprendre le Sagaï, c'est pas gratuit. Hein. C'est... On n'est pas chez mamie. Hop, il y en a là un. Il y en a un dans l'eau, je crois, non? Non. C'est pas ce que je voulais faire. Sandoros, hop, on en récupère. Il m'en faut encore un. Mais j'en ai vu plusieurs donc. Ah, elle est pas mal cette lance. Ah bah elle est bien plus efficace que la hache, hein, quoi. Homme à tout faire. Bah ouais, je suis un homme à tout faire. Donc c'est bon. On a récupéré le vieux plouc. On a fini la mission. Nous on récupère quand même ce qui reste en Oros. Alors, est-ce qu'il reste encore un Euros, un Oros, ah je sais pas comment on prononce, Oros, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Les effets de recettes durs, ah d'accord, c'est pour faire des recettes, ah non, d'accord, on peut bâtisser la hutte de, ok, bah de toute façon on va retourner au village, vous savez quoi, on va retourner au petit village, on va faire quoi, il y a de la confection à faire là? Mais c'est cool ça, mais je savais même pas qu'on pouvait confectionner les choses. Ceinture à gourdin. Chaque type transporté qu'un dorme. Ok. Couteau de pierre. Vous n'avez pas encore appris comment confectionner les couteaux de pierre. Il inflige des dégâts normal une fois lancé les tirs à la tête sans mortel. Bon, on les a déjà en fait avec. Ouais, en fait on les a déjà avec l'Ubisoft Club. Du coup, moi, je vais retourner à la base, à la case bas. Bah écoutez, on va retourner à la maison. Et on va développer notre village. Un peu plus profondément, mais je pense que ce sera dans l'épisode 7. Et on va, je pense qu'on va partir sur l'épisode 7. A tout de suite.